partie dans le mur à gauche de Pau, qui est un mur à gauche de 36 mètres, mais qui est équipé d'une paroi amovible à 30 mètres. Cette paroi en bois permet ainsi la pratique de 7 spécialités en tout. Alors tout d'abord, quand nous passons au mur à gauche de 36 mètres de long, nous avons 4 spécialités internationales qui sont pala corta, palette à cuir, main nue 1 contre 1 et main nue 2 contre 1. Par contre, quand nous sommes en version 30 mètres, là nous avons 3 spécialités, la baline et puis le front tennis homme et le front tennis femme. Et à l'heure actuelle, nous assistons à la partie de front tennis, États-Unis, France. Si nous regardons un petit peu les disciplines pratiquées dans ce mur à gauche, on voit une très grande variété avec des pelotes très très différentes. Quelle en est la raison? C'est que lorsque les championnats du monde ont été mis en place, il s'avère que chaque pays a demandé à ce que sa discipline majeure fasse partie des spécialités pratiquées. Et c'est ainsi, par exemple, que le front tennis a été imposé par les Mexicains, la baline a été imposée par les Argentins, la main nue trinquée par les Français, la main nue à gauche par les Espagnols, et ainsi de suite.